Non. Ah, non. Le numéro 14, Palmarin, 57,58% présenté par Jean-Charles Escalet. Jean-Charles Escalet qui va bientôt changer de chemise. Mais comme il n'en a pas de nouvelles, il nous a dit que si les femmes du public le lui demandaient, il pourrait présenter torse nu et en cravate. Ce qui serait sensationnel. Nous, on attend ça avec la plus grande impatience. Palmarin, donc, est un fils de Roseau de Danuès, né le 2 juin, très tardivement. C'est le poulain né le plus tard de cette section d'ailleurs. Et blogueur de Danuès. Alors, je ne sais jamais si vous êtes Danuès dans la marche. Danuès, c'est Danuès. Bref, la mère est par Blue Boy, grand étalon Blue Boy. Et donc, le label Danuès, on le retrouve avec la grand-mère et la salle de Danuès, qui est bien sûr national à la thèse, on va à 50% à Toulouse. Et donc, on trouve en fait la même famille qu'on a vue juste avant. Avec des foraises, hein, c'est la souche de chaque foraise, mais par l'autre branche, donc là, par la branche parallèle. Mésange de Nabès, Brion de Nabès, dans cette famille. Donc on retrouve les trois branches de Hazard, Ferdinand et Garros. Ferdinand, on a trois fois dans le pédigré d'ailleurs. On va aller au trou désormais. Avec ce qu'on avait le 2 juin, je vous rappelle, très tardivement, 57,58%, 200 arabes, par le marin. C'est le 7e produit de la mer qui, pour l'instant, a donné un gagnant qui court en endurance. Bon, bref, il y a de la tenue en pédigré. Le gagnant en endurance s'appelle Voltaire Boudac. On a toujours dit que dans le Haras, il y a un cheval polyvalent qui savait le faire. Eh bien, il savait le faire de l'endurance.